Salut à tous, bienvenue sur TV7. Avant toute chose, une belle année 2019 avec beaucoup de bonheur, beaucoup de santé, un peu de rock'n'roll également. Ça, c'est tout le mal qu'on se souhaite. Pour cette toute première de Ça part en live de 2019, on se retrouve à l'ECV ici, sur le quartier des Chartrons, avec des sons d'ici, des sons d'ailleurs, des sons qu'on va picorer un peu partout, les sons du Collectif 13. Le Collectif 13, c'est un groupe formé à la base d'autres groupes avec Gizmo du groupe Trio. Il y a également le Massilia Sound System représenté par Gary Gréou et Jérôme Briard du Pied de la Pompe. On va découvrir ça ensemble en live dans Ça part en live. Merci d'être là. Maintenant qu'on vous raconte, maintenant qu'on vous accompagne, maintenant qu'on se dit qu'ici il se passe que dalle, tu sais, elle n'est jamais finie. La vie d'un chanteur, elle est toujours en vie et toujours à l'heure. Elle n'est jamais finie. La vie d'un chanteur, il y a toujours à dire, toujours des râleurs. Collectif 13, nos invités cette semaine dans Ça part en live, enfin une partie du Collectif 13. Bonjour, bienvenue à Bordeaux. Merci beaucoup, bonjour. On est plutôt pas mal ici, non? On est très bien ici, hein? C'est parfait. On est arrivé avec un beau soleil. Ouais. Cette ville a été refaite en si peu de temps. C'est vraiment très agréable de revenir à Bordeaux et c'est à chaque fois un plaisir. On va parler dans un instant de nos amis de l'ECV, du clip du Collectif 13. Qui veut parler du Collectif 13? Qui veut présenter le Collectif 13 pour les Martiens qui ne connaîtraient pas? Alors, le Collectif 13, c'est un rassemblement en fait de membres de plusieurs groupes issus de vraiment de plein de régions différentes et d'univers. Alors, il y en a trois, il y a Gizmo de Trio. Voilà, Trio. Jérôme du Pied de la Pompe et Gary de Massilia Sound System. Voilà, donc là tu as un bout de la Bretagne, un bout de Marseille, mais il y a aussi Mourad Musset de la rue Quétanou, il y a aussi Cyrano, Ali, ancien guitariste des No One Is Innocent. Ouais. Max du Petit Son, groupe traditionnel breton, enfin voilà, ça touche vraiment un peu. Vous êtes 13? Alors on était au départ, ça s'est créé en 2013, on a eu la venue de notre ami Gary Marseille avec ce chiffre 13. On était 13 sur la route en comptant les techniciens et tout le monde. Et puis il y a ce chiffre 13 qui aussi porte bonheur, on s'est dit allez, ça nous tourne autour. Donc voilà, on cherchait un nom à ce collectif et on a mis le 13 derrière. Au chemin, on t'emmène, rejoins-nous, on est là, pas bien loin. On paraît un peu fou, mais t'inquiète, tout va bien. Mrahbabi, coup de fatal, mi casa, tout casa, du soleil, on t'en donne même si on se connaît pas. Si tu cherches une place, elle est là au soleil. Oh 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 oh, elle est là, si tu cherches une place, elle est là au soleil. Alors, aujourd'hui on est en guitare-voix, mais ça se passe pas forcément comme ça, pas tout le temps. On est 11 sur scène, donc ouais. Comme il dit, DJ, batterie, guitare. 11 sur scène, ça fait un sacré catering, ça. C'est un beau catering, ouais, ouais, mais on n'est pas très gourmand. Ils nous offrent ce qu'ils veulent, on prend, nous, voilà. Ouais. On n'est pas dans la demande même excessive. Même Gary, il n'y a pas de caprice de star? Non, franchement, bon. sincèrement, c'est, je pense qu'on est, plutôt un groupe très agréable à recevoir. On n'est pas chiant ouais. Dans notre quotidien. On est des gens assez simples. Et puis, c'est 13 personnalités différentes qui s'entendent bien. C'est, comme disait Gary tout à l'heure, c'est la colonie de vacances qui repart un petit peu plus sérieuse parce qu'on a appris à se connaître et qu'on a fait naître quelque chose et qu'on a vraiment écrit tous ensemble. On a essayé de faire un projet très collégial. Donc, on a envie de porter notre projet au mieux et en même temps il y a beaucoup d'insouciance, cette légèreté de plaisir d'être ensemble, de communiquer ça aux autres. Chante, chante, chante. Gary, est-ce que tu peux nous parler du clip justement qu'on découvre cette semaine et qui a été proposé par les étudiants de l'ECV ici, que des Chartrons à Bordeaux? Eh ben on a la chance d'avoir engagé cette collaboration avec l'ECV. Ouais.
sur une chanson réseau qui parle de l'Internet, qui parle des déviances de l'Internet, qui parle de cette époque technologique, etc. Et pour nous, c'était super intéressant que ça soit des gens de la génération Internet qui nous donnent leur vision. Donc, c'est une grande joie pour nous d'avoir vu ce clip, ce travail hallucinant qu'ils ont fait, 4 mois de boulot. Ils ont pris le truc à cœur, ils se le sont appropriés. Et pour nous, c'est génial de donner de la réalité à une école comme le CV, de pouvoir bosser sur des projets qui vont partir dans la vraie vie, etc. Et pour nous, c'est super parce que nous, c'est une autoproduction. Donc, même si on arrive à avoir des médias pas mal, c'est quand même un gros plus pour nous que de faire un clip quand même à moindre coût avec le CV. Donc, un grand merci à eux. À tous les niveaux. Entre nous, pas de marketing, balance le son, on s'évade sur le streaming. Je suis l'extension, le contrôleur, je change de version ou de navigateur. Firefox, activation, inbox ou Twitter. Je suis dans le Vidéotron, Internet Explorer. Je suis l'extranet, le Netscape, je suis toutes les facettes, je suis le serveur. Si tu m'enlèves Internet, ça me raye la disquette. Faut jamais que ça s'arrête sans antidépresseur. Gardez le contact, c'est tout enflammé. Faut que je fasse parler de moi sur la toile que j'ai tissé, like et puis partager. J'ai besoin de faire grandir ma notoriété. Je ne compte plus les heures, encore moins les secondes. Sur Facebook ou Twitter, je suis le maître du monde. La lumière du jour ne vient même plus m'apaiser. La seule fenêtre qui s'ouvre à moi, c'est celle de mon PC. Pas de wifi, pas d'internet, pas de réseau, rien ne se connecte. Aucun flic entre nous, pas de marketing. Balance le son, on s'évade sur le streaming. Pas de wifi, pas d'internet, pas de réseau, rien ne se connecte. Aucun flic entre nous, pas de marketing. Balance le son, on s'évade sur le streaming. Oh, nouvel album Chant Libre qui sort le 18 janvier, Chant, C-H-A-N-T, qui laisse justement le champ libre à tous les possibles. Il paraît que le monsieur à la tignasse orange en prend un petit peu pour son grade, le monsieur américain. Hein? Ben oui, c'est orange ou jaune, c'est selon, ouais, c'est selon ça, les reflets du soleil. Selon l'angle dans lequel on le filme. Non, mais oui, ce monsieur-là, c'est un peu tout le contraire de ce que nous, on chante depuis des années. Voilà, le vivre ensemble, ne pas se replier sur soi, de faire attention à notre planète. Et puis l'amour qu'on peut avoir quelque part, parce qu'on est des gens assez politisés au final et on tient à nos démocraties. Elle est là, là où tu veux aller, là où tu couleras comme une eau des vallées pour inonder les haines. Jérôme, avant de se quitter, il y a des chansons qui dénoncent, mais rassurez-nous, il y a des chansons pour faire la fête dans l'album. Hein. Ah oui, il y a certainement des morceaux où quand on a écrit l'album, le mot d'ordre était le sourire, le partage et aussi le vivre ensemble. Ouais. Il y a des morceaux qui sont beaucoup plus légers, certainement comme Petit Fait Tondu, où là, c'est, on prône nos coiffures et tout ça. Mais quand tu as un gars qui vient te voir en disant là, quand je suis sorti du Minou, j'avais rien sur le caillou, c'est sûr qu'il faut avoir beaucoup d'humour. Mais sans ces morceaux-là, on ne serait pas ce qu'on est non plus. Il y a à 11 personnes, il y en a qui auraient voulu peut-être des morceaux plus sérieux, peut-être plus engagés. Il faut aussi qu'on ait de la légèreté aussi pour nous, pour les gens, pour aussi le moment où on va être sur scène avec les gens. Pour le plaisir, quoi. Et le plaisir, le partage du plaisir, et de leur faire oublier pendant 2 heures leur quotidien et qu'on s'évade dans quelque chose de complètement différent. On voit souvent sur les albums des morceaux qui sont un peu durs, un peu compliqués. Quand on les chante sur scène, on prône effectivement des valeurs. Mais quand le partage est au premier degré et qu'il est simple, on s'aperçoit aussi qu'il y a une masse d'amour qui va arriver. Et c'est aussi ça qu'on vient chercher. On veut aussi chercher un peu d'amour chez les gens. On en a, nous aussi, beaucoup à donner. On est très amoureux de nous sur scène. Et on pétille à chanter nos chansons et on espère le partager avec les gens. Vous pétillez déjà en parler avec nous.
Bon, ils étaient trois avec nous aujourd'hui, mais ils sont bien plus nombreux, bien sûr. C'était le Collectif 13 cette semaine dans Sapin en Live. À très vite sur TV7.